Et coucou les copinous, donc on va passer pour la vidéo des énergies de la semaine du 11 au 17 septembre. Donc comme d'habitude, je vous ai sorti les énergies principales. Comme d'habitude, je vous ai préparé trois petits tas de fin. Là, vous ne les voyez pas. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un tirage à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos ainsi que le timing de la vidéo. Je vous remercie par avance des likes, des abonnements en activant la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. À savoir que je pense vous faire deux trois petites surprises là aussi sur la chaîne, on verra. Je vous ferai des petites vidéos assez courtes de développement personnel. Voilà, comme j'inclus dans les tirages, d'accord? Voilà, voilà les copinous, les copinettes. Alors, on va les regarder ici pour le timing. On y va pour les énergies générales à 1 minute 20. Alors, ici, notre évolution pour cette semaine. D'où on vient? Ne buvez pas de poison et peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Donc, ça, c'est le fait d'avoir conscientisé un schéma qui est toxique pour soi-même. D'accord, de prendre conscience de ce qui ne nous va pas en fait. Donc, on vient de cette énergie-là, on sait très bien ce qui n'est pas bon pour soi. On a pu ici conscientiser les mensonges qu'on a pu se faire à soi-même. D'accord? Le fait de dissimuler, de vouloir un petit peu enjoliver un passé ou justifier. Des erreurs un petit peu, enfin des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, on est tout le temps en apprentissage de toute façon, mais voilà, on a pu le ressentir comme ça dans le passé, hein, parce qu'on peut avoir aussi un entourage très regardant, du mal à se détacher aussi du regard de l'autre, quelque chose comme ça, hein. Donc, on vient de là et on se dirige vers autre chose justement, puisque tout ça a été conscientisé. Et là, on n'a nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Donc ici, on va se rappeler hein, que ben, on en avait eu des vertes et des pas mûres et qu'on a su les traverser. Donc là, c'est de savoir s'affirmer, de savoir dire ce qui nous va et ce qui ne nous va pas, sans avoir peur justement du regard ou du jugement d'autrui. Donc on s'avance dans cette direction-là. Donc je pense qu'il va y avoir une double lecture. Pour beaucoup, vous êtes déjà dans cette énergie-là d'avoir vraiment d'être dans votre propre accomplissement et de vous foutre pas mal de ce que les gens pensent de vous. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux et qui sont dans leur dans l'accomplissement d'eux-mêmes, de leurs rêves, de leur espoir, de leur désir. Donc vous pourriez avoir en face de vous, d'accord, des personnes qui sont encore un peu prises dans certains carcans de schémas de vie un petit peu bloquants, où on peut avoir en face de soi des personnes qui sont dans l'autosacrifice, dans la flagellation, dans le fait de justifier certaines, ou de ne pas vouloir admettre un comportement qui a été déviant pour soi ou pour l'autre, d'accord? Ou vous pouvez vous retrouver vous-même dans cette situation-là, d'accord? Tu vois comment ça te place. Dans tous les cas de figure, c'est quelque chose pour ceux qui sont encore dedans, dans la peur du jugement de l'autre, ça c'est quelque chose cette semaine où vous allez vous en dépeguer. Pour les autres, en fait, votre énergie va attirer ceux qui sont en train de se dépeguer du regard de l'autre, on va dire. Vous allez être comme un exemple sans le vouloir vraiment, d'accord? Vous allez être inspirant pour les autres. Donc, du coup, quelque part, ça a un effet rassurant pour ces personnes en face, dans le sens où, ben, en fait, on se rend compte que le fait de faire face à nos peurs et à nos mauvais choix, ce qu'on peut estimer, avoir estimé comme être un mauvais choix pour soi,
ben en fait, le fait d'y faire face, ben, ça les a pas immolés par le feu, d'accord? C'est-à-dire que finalement, le fait de s'accepter dans son entièreté, ben, ça fait peut-être, c'est peut-être plus libérateur que ce que ça fait mal, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a à travailler et à comprendre pour cette semaine? Donc, justement, hein, nous avons la tentatrice, la séduction, la tromperie, les promesses brisées. Donc, pour certains, justement, qui sont encore enclavés là-dedans, on peut se rendre compte ben, que, on s'est fait eu. On s'est fait eu dans le passé par voilà, des personnes qui n'ont pas été coulis-coulis, ou qu'on a pu être dans un attachement à quelque chose qui a trait à l'apparence, au paraître, à une forme de. Ça peut être un conditionnement de pensée, hein. Par exemple, ça ne se fait pas de divorcer, ou je vends l'illusion je sais pas moi, de quelqu'un de très sûr de soi, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça peut être aussi le fait d'avoir des dépendances et de devoir les lâcher. Donc là, on serait plus sur de la dépendance charnelle, mais pas que, hein. Donc ça vous parlera comme ça vous parle. Donc il y a ça à travailler en fait, hein, le fait de prendre conscience que tout ce qui brille n'est pas d'or justement, et d'ouvrir un petit peu ici son intuition, son troisième œil, pour se défaire de ça, d'accord? De relier la réflexion au cœur et moins à l'apparat, au mental, d'accord? Donc pour certains, vous avez déjà fait ça. Et vous êtes déjà dans votre accomplissement. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'avancer vers l'accomplissement de vos rêves à vous, de rester concentré sur ce qui vous anime et le fait d'avancer vers ce que vous dicte votre petite voix intérieure, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal hein, quand même en termes d'énergie. Le conseil de posture des guides ici. On vous dit d'intégrer le masculin sacré. Alors, le fait d'intégrer le masculin sacré, c'est le fait de passer à l'action, d'accord? De se mettre en marche. On est très vert là, donc il y a une guérison émotionnelle pour moi. Donc, ceux qui étaient, entre guillemets, dans des blessures de rejet, d'abandon, on peut être ici sur la guérison du cœur et de retrouver l'estime de soi, d'accord? Avec l'énergie du loup ici, on vous dit chercher la leçon. Donc regardez dans votre passé comment vous avez interagi dans vos relations, quelles qu'elles soient, et tirez-en les points communs. D'accord? Ce qui vous permettra de conscientiser ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et pourquoi à chaque fois vous vous êtes attiré telle ou telle relation. Exemple, si tu ne t'attires à toi que des personnes qui ne te respectent pas, c'est peut-être parce que toi-même tu t'es pas respecté, que tu t'es écrasé ou que tu t'es sacrifié pour l'autre, que tu as trop donné. D'accord? C'est de conscientiser cette leçon. Et le fait d'intégrer le masculin sacré, c'est le fait de mettre des limites pour ton respect de toi-même. D'accord? Et donc, ici, nous avons, prenez soin de tout ce que vous aimez. Donc, prends soin de tes projets, de tes rêves, de ton accomplissement, de ce que tu veux mettre en place dans ta vie. D'accord? Ça, c'est pour moi, je pense que là, on est à double vitesse. Il y en a beaucoup. Vous êtes déjà là-dedans. Les autres, on vous demande de vous concentrer sur vos rêves à vous et sans vous soucier de ce qu'en pensent les autres. D'accord? Conscientise une chose, c'est que tu es le créateur de ta vie. D'accord? Personne ne prendra des décisions pour toi, pour ton propre épanouissement, pour que tu te sentes bien, que tu sois heureux ou heureuse. Il n'y a que toi qui peux faire ça. D'accord? Donc ça, c'est donc le conseil de posture qu'on vous donne au niveau des guides. Dans ton action de vie et ton professionnel pour cette semaine, eh ben écoute, on a la connaissance. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras le monde. C'est le fait d'agir complètement différemment. C'est le fait aussi de conscientiser que ce qui est en face de toi n'est que le reflet d'une part de toi-même. D'accord? Donc ici, c'est quand tu te connais, quand tu sais
que les personnes agissent en effet miroir en face de toi. C'est de aussi de conscientiser que les échanges, qu'ils soient verbaux, qu'ils soient n'importe, hein, voilà, que ce soit dans ton professionnel, tout ça, on te dit que le langage n'est pas forcément que parole. D'accord? Sois attentif au langage corporel des personnes en face de toi. C'est très important, ça te parlera toujours beaucoup plus que le langage verbal. Ici, c'est le fait aussi de conscientiser que dans ton avancement professionnel, si tu te connais, si tu sais ici, si tu prends conscience de ce que tu es capable de faire, tu peux t'accorder ici une espèce de justice, une mesure. Donc, la mesure, c'est ni d'un côté ni de l'autre, c'est le fait d'avancer toujours en sachant faire des compromis et en sachant être juste pour toi et pour la partie en face de toi. D'accord? C'est le fait d'être aussi dans l'expression de toi-même, de ce que tu veux concrètement pour être juste vis-à-vis de toi. Exemple, je ne me plais pas du tout là où je suis, je sais que je suis capable de beaucoup mieux. Ça ne me correspond plus. Je me regarde bien en face dans la glace. Je sais que ça ne va pas pour moi à cet endroit-là. Je vais aller chercher les renseignements qu'il faut. Pour certains, on peut être dans des procédures judiciaires ou des choses comme ça, hein. Et je vais faire en sorte de trouver le taf qui me convient, comment on dit. La formation qui me va, c'est le fait de savoir aussi que tout vient à point, d'accord? Donc par exemple, si je suis en reconversion, si je prends de la hauteur, je peux prendre conscience qu'il va me falloir du temps pour arriver à ce que je souhaite, mais que ça sera bénéfique, d'accord? Par exemple, si je veux une reconversion, il est fort probable que je vais avoir un temps de formation ou que je vais avoir un temps d'essai. Voilà, d'accord? Si je suis en rupture conventionnelle, je vérifie bien que tout est OK. On se regarde bien dans la glace, que ce soit juste pour soi et l'autre. Si tu ne travailles pas ici, on va parler justement de savoir te reconnaître à travers le regard et la réflexion de l'autre dans ta vie au quotidien, dans ce que tu mets en place dans ta vie, d'accord? On te demande d'être mesuré et juste vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres, d'accord? De ne pas être dans le jugement, mais plutôt dans la compréhension, d'accord? Donc sur le relationnel et le sentimental, ici, on voit que nous sommes guidés à travailler, hein, justement, sur nos convictions ici, sur ce qui est important pour soi et à savoir l'affirmer dans nos relations, d'accord? Et aussi à maîtriser certaines pulsions que l'on peut avoir. Par exemple, ça peut être la gestion de la colère, d'accord? Est-ce que je suis en colère contre moi? Est-ce que je suis en colère contre quelqu'un? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait remonter ça, d'accord? Donc là, on peut voir que justement, on a justement des relations en effet miroir qui nous font travailler justement toutes ces failles, on va dire, pour pouvoir être plus juste vis-à-vis de soi, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Et comprendre que bah, si on a des pulsions ou des choses qui reviennent sur le carreau, on peut tout à fait, en se connaissant soi, changer son comportement, apprendre à gérer son état émotionnel. Évidemment, ça demande du temps. Pour certains, vous êtes déjà là-dedans, hein, vous êtes dans la patience, on va dire, d'un résultat. Donc là, on va vous demander de continuer à être patient pour ceux qui sont dans ce cas-là. Ben, pour les autres, justement, c'est d'apprendre à comprendre en fait que le seul moment qui est important dans la vie, c'est l'instant présent et qu'est-ce que tu en fais. D'accord? Oui, dans le passé, tu as pu être colérique, tu as pu être borderline, tu as pu avoir certaines pulsions, mais aujourd'hui, tu les comprends ou tu vas les comprendre.
parce que la vie va te mettre en fonction de que tu puisses comprendre ta leçon. D'accord? Donc pour certains, ça va piquer. Pour d'autres qui sont pas évolués, mais bon, plus éveillés, on va dire, on vous demande de rester patient face aux autres. D'accord? Parce que vous êtes plus éveillé, mais à un moment donné, vous avez été dans ce cas de figure-là. Donc, c'est savoir faire preuve de compassion et de compréhension, tout en continuant à avancer pour vous, avec vos convictions. D'accord? Donc, comment on va vivre ces énergies-là, justement, cette semaine? Eh bien, on a encore le masculin sacré, hein? On vous dit de ne pas regarder en arrière parce que ce n'est pas dans la direction que vous devez aller. Et le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. D'accord? Et là, on voit qu'on a une indécision, hein? Qu'est-ce que je fais? J'attends, j'attends pas. Ne restez jamais dans l'attente de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Hein? La patience et la résilience, c'est une chose. Ça veut dire que tu laisses cette situation à gérer à l'univers, d'accord? Et toi, tu t'occupes d'un autre plan de ta vie. Notamment là, ce qu'on te demande de t'occuper, c'est la réalisation de tes rêves. Et que tu sois en retraite ou pas. Fais ce qui t'anime, ce qui te plaît, d'accord? Tu peux rejoindre une assoce, tu peux faire profiter les autres de ta connaissance, de ton savoir. Tu peux faire plein de choses en fait. Il n'y a pas d'âge pour recommencer à s'épanouir, pour commencer à s'épanouir hein, en fait. Et donc cette indécision, on vous dit que quand vous doutez, on vous dit de faire confiance aux signes du destin. Donc là, vous allez être bourré de synchronicité, de messages. Soyez attentifs à vos rêves ou aux conversations justement aux personnes que vous allez rencontrer en face, qui tout à fait innocemment vont pouvoir vous faire des tilts et des déclics sur ce que pour certains vous ne voulez pas voir en face. D'accord? Donc c'est plutôt sympatoche, moi je dis. Donc on va aller voir sur le général, qu'est-ce que ça dit? Donc on est à 17 minutes 17 pour le général. Alors c'est parti avec le tarot doré. Oula! Alors, on a le 3 de denier, le valet de bâton et le 5 de denier. Donc ici, on voit, alors, pour certains, si je parle de travail, de développement personnel, on voit qu'on se fait aider ici par certainement un psy, une thérapeute ou autre, d'accord, à travailler sur un nouveau départ, une nouvelle version de nous-mêmes, à l'affirmer dans la matière pour lâcher une blessure avec le 5 de denier. Donc la blessure, hein, je te le dis, ça dépend de toi. Ça peut être le rejet, l'abandon, l'humiliation, voilà, pour lâcher ça, d'accord? Et d'autres, hein, l'injustice, tout ça. Donc on voit ici qu'il y a ce travail personnel qui est entamé. Pour d'autres ici, on va être sur le fait de mettre, en fait, dans le travail, par exemple, tu peux être dans un travail d'équipe où c'est toi qui fais le boulot de tout le monde, hein, et tu n'as aucune reconnaissance. Donc à un moment donné, on va te dire, tu n'en as pas marre? Dis stop, quoi, impose-toi. D'accord? Pour d'autres ici, on est conscient qu'on va devoir entamer une formation qui nous plaît, hein, mais on a peur de ne pas être pris, on a peur de ne pas réussir, on a peur de l'investissement que ça va donner, d'accord, au niveau financier, ou parce que peut-être que c'est pas rémunéré les 3 premiers mois, ou quelque chose comme ça, où tu passes dans un statut d'apprenti, donc j'ai peur de manquer. On peut avoir cette notion-là aussi. Si tu travailles pas, par exemple, du tout, ici on peut s'inquiéter par rapport à l'éducation et le statut d'un enfant qui commencerait dans une vie active, d'accord? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que peur de perdre un jeune adulte, aussi un oiseau qui quitte son nid, ou peur de changer le quotidien d'un enfant, la peur de décevoir un enfant ou quelque chose comme ça. Oui, on voit que ça nous prend bien la tête avec le 5 d'épée. Alors bien souvent, vos peurs sont infondées,
D'accord. Du moment où vous les exprimez, vous allez vite vous rendre compte que les trois quarts du temps, elles sont infondées. D'accord. Alors, pour exprimer une peur, je vous donne un conseil. Après, tu prends pas, tu fais comme tu veux. Quand tu exprimes une peur, pour qu'elle soit bien entendue et bien comprise, ne mets pas le tu dans ton discours. Exemple, en face de moi, je suis dans une relation ou pseudo-relation, j'ai peur de recommencer un schéma répétitif, d'être avec quelqu'un qui va pas me respecter ou où je me sens rejetée ou humiliée ou je ne sais pas pourquoi. Ben, voilà. Je ne vais pas lui dire tu fais ça, tu m'as fait ça, tu. Non. Je vais plutôt l'exprimer de manière à j'ai vécu ça, j'ai déjà connu ça, je ne veux pas revivre ça. D'accord? Dans mon passé, j'ai déjà connu telle et telle situation. Ce qu'on a vécu ensemble, ça me fait penser que peut-être on se dirige là-dessus. Et si c'est le cas, moi, j'en veux pas. D'accord? C'est d'utiliser le jeu. D'accord? Et ça pour n'importe quelle situation. Si tu penses que tes enfants sont des nouilles et qu'ils ne seront pas capables de comprendre très peur, détrompe-toi. Ils sont vachement plus attentifs et ils ont beaucoup plus conscience de ta dissonance entre ce que tu dis et ce que tu fais que toi-même. D'accord? Donc le fait que tu verbalises. Par exemple, lors d'une garde ou un changement de rythme, voilà, c'est de dire à ton enfant, voilà, je sais pas, à partir de temps, de telle date, je suis muté ou voilà, on va être obligé de déménager. Du coup, la garde, ben, si je t'avais tous les jours ou une semaine sur deux, ça va changer. J'ai peur que ça te déçoive ou j'ai peur que tu ne comprennes pas. Le fait que tu verbalises, que tu expliques comme ça, désamorce. Et tu verras que tes gamins, ils seront tout à fait capable d'entendre et de comprendre. Et ça, à n'importe quel âge. Évidemment, au niveau des âges, tu adaptes avec les mots, d'accord? Mais ça ne tue personne d'exprimer sa peur et ça ne fait pas de toi une chiffe molle. Au contraire. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, tout simplement. On a le soleil, de toute façon, vous allez avoir des éclaircies et une victoire. Quelque chose qui va aboutir, d'accord, favorable pour vous. On va aller voir à la coupe sur le général. Non. Et ben voilà. Qu'est-ce qui saute ici? On s'en fait trop, hein. On a sur le dos trop de fardeau pour apparaître, pour sauver des apparences ici. On a aussi des addictions et quelles qu'elles soient, hein, qui nous pèsent de trop. Quelque chose qu'il faut se délester. Ça peut être dans ton hygiène de vie, ça peut être plein de choses. Donc, dis que tu n'aies pas peur parce que là, clairement, il y a la réussite pour toi. Tu es tout à fait capable de te délester de ça. Pour certains, ça va être le fait de lâcher le contrôle et de savoir déléguer, hein. Parce que de toute façon, dans la vie, tu ne peux pas tout contrôler. Alors, à la coupe, nous avons le monde et le valet d'épée. Impeccable. Ici, on te dit que tu vas recevoir des nouvelles par mail, par téléphone, hein, qui vont permettre ici un aboutissement concret de ta situation. D'accord? Le valet d'épée, ici, c'est aussi l'étudiant, c'est celui qui se renseigne, c'est celui qui fait des recherches. Donc ici, tu peux être vraiment dans une formation qui va te permettre un aboutissement. On peut parler aussi de quelqu'un qui t'espionne sur les réseaux, surtout si tu travailles ou si tu exposes ta vie ici sur les réseaux, que toi-même tu es dans une forme d'accomplissement. D'accord? Oh là là, c'est très joli ce qui vient derrière. Oula, très beau. Donc, on va aller voir sur le général. Allez. Oula.
La reine d'épée, on va trancher, on va décider ici par rapport à une union, un 2 de coupe. Ça peut être une union sentimentale, ça peut être un partenariat, le fait de changer, de faire des ruptures de contrat pour avoir un nouveau contrat ici, le fait de divorcer aussi. Bon, voilà, ça peut être plein de choses. On voit ici qu'il y a quelque chose qui te manque. On est dans les regrets pour certains et certaines. Alors, au général, je vais m'étaler. Et oui, oh là là. Alors, pour la semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. Et on va aller voir en dos de deck. Nous avons le 9 de denier qui nous parle de ton accomplissement, justement, de ton indépendance, le fait d'avoir d'être autonome, tout simplement, et d'être bien avec toi-même. D'accord? Que ce soit dans tes valeurs, que ce soit dans ton professionnel, que ce soit financièrement. Voilà, on voit que tu es plutôt pas mal. Ben, c'est super. On commence avec le 3 d'épée. Bim! Le roi de bâton, le cavalier de denier, le 5 de coupe, écoute, parfait, le 2 de coupe, ah bien, la mort et le valet d'épée. Bon, ben, c'est plutôt pas mal, même si ça paraît pas là tout de suite. En début de semaine, on voit qu'il y a une blessure, d'accord, où on a pu quelque chose, une relation ou un travail, un patron ici, quelque chose qui t'a fait mal. D'accord? 3 d'épée, on est vraiment sur. On t'a poignardé, hein? D'accord? C'est une trahison. Donc, début de semaine, on se sent trahi, on se sent pas bien. On voit ici l'énergie du roi de bâton et du cavalier de denier. Donc là, ici, on peut être sur le fait de quitter un environnement professionnel qui, franchement, n'est pas bon pour toi. Là, on peut être sur un patron un petit peu chaud patate, d'accord? On peut être sur quelqu'un hyper autoritaire qui t'en demande toujours plus et qui est pas très très pressé de te donner ta prime, ce qui te doit, d'accord? Vois comment ça te parle et tu vois là que tu es grave déçu du comportement de la personne. Le 5 de coupe, on est hyper dégoûté, d'accord? On s'est trop investi dans une situation qui n'était pas bonne pour soi, sans se rendre compte que oui, tu te concentres sur ce que tu perds avec tes 3 coupes, là tu es en train de pleurer dessus. Sauf que si tu te retournes, tu vois que tu as un nouveau partenariat ici, le 2 de coupe, qui est juste derrière tes fesses. Regarde, je te montre. Toi, tu pleures sur celles qui sont retombées. Et derrière, on a ce 2 de coupe. Donc on voit qu'on regrette énormément. D'accord? Pourtant, qu'est-ce qui vient? Fin de semaine, un nouveau partenariat, justement. Une nouvelle collaboration ici qui va tout transformer, mort et renaissance, d'accord? Donc c'est le fait de mettre fin, de conscientiser que ce qui est fini, ce qui est passé est au passé, et d'entamer ici quelque chose de nouveau. Et là, ça se fera via des mails ou via des messages, des textos, voilà. Donc ça, c'est pour si on est sur une relation professionnelle. Je te parle de professionnelle parce qu'avec l'énergie du roi de bâton et du cavalier de denier, on est un petit peu là-dessus. Ici, tu peux être à ton compte et peut-être que des clients ne t'ont pas payé ou ont attendu pour te payer. Par contre, ces clients-là, c'est des gens que tu connais, tu es extrêmement déçu. Ça peut être genre des amis, des choses comme ça, et tu t'y attendais pas, donc tu te sens trahi, d'accord? Donc ici, ben, nouveau contrat, nouvelle façon de travailler aussi pour certains, transformation et nouvel engagement. Donc c'est plutôt pas mal. Si tu travailles pas, là, on va parler de tes relations en général, d'accord?
tu es en train de guérir une blessure du passé. Alors ça t'a pris du temps, d'accord, à conscientiser certaines choses et à apprendre à placer des limites et à dire stop. Mais là, on voit que tu vas te prioriser, tu vas laisser ces coupes par terre pour, ici, t'engager, ne serait-ce que vis-à-vis de toi-même, d'accord? Mais là, on peut parler de nouvelles rencontres, on peut parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle façon de voir le couple aussi, et de transformer. Donc là, pour certains couples, il y a des ruptures claires et nettes, d'accord? Des divorces, des séparations, pour son propre bien. Pour d'autres, on est vraiment aussi sur la rencontre d'une nouvelle personne qui va transformer ta vie. Ça peut être aussi des relations au sein de la famille ou des amis qui se terminent, d'accord? Parce que là, on a pu vraiment te la mettre à l'envers, hein. Donc, tu te choisis. C'est plutôt sympatoche. Donc, on va aller voir. Oui, on voit que tu as besoin de personne. Tu vas avoir des vérités, des découvertes. En fait, ces vérités, ce sont c'est l'affirmation de toi, de qui tu es, de ce que tu veux. D'accord? Et derrière, en dos de deck, nous avons un déplacement avec le chariot qui t'annonce un grand triomphe ici, que ce soit dans ton action de vie ou dans ton professionnel ou dans ton relationnel. D'accord? C'est plutôt sympathique. On va recouvrir un petit peu au général. Ben voilà, hein, tu guéris pour aller sur ton nouveau départ avec le fou. On sort du 5 de bâton, du conflit intérieur et du conflit avec les autres, d'accord? Donc ceux qui veulent rester dans la jalousie, ça c'est le commérage aussi, hein. Voilà, bah tu t'en éloignes avec le 6 d'épée, tu fais le choix de les laisser dans leur caca et c'est très bien. Oui, tu te casses ici parce que toi ce que tu veux c'est être bien avec le 10 de coupe, d'accord? C'est je m'autorise à créer mon bonheur au niveau professionnel comme au niveau relationnel et sentimental. Sur ce 2 de coupe, nous avons la guérison avec tempérance. Donc c'est plutôt sympa, c'est guidé, c'est protégé. Sur mort et renaissance, on voit qu'on tourne le dos et on ne reviendra plus dessus parce qu'on s'avance vers le 9 de coupe qui est la réalisation de nos souhaits. D'accord? Et du coup, on va se rendre compte avec ce valet d'épée ben que la mer est pleine de poissons. Tu vas avoir de multiples offres et opportunités, d'accord, pour avancer dans ta vie, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan relationnel. Donc c'est plutôt sympathique ici. On peut être dans une forme de confusion au départ, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on n'a nul besoin d'avoir peur. Tu sais ce qui est bon pour toi et tu vas savoir quelle coupe est bonne pour toi. D'accord? Donc c'est plutôt sympathique. Là, on peut parler de déménagement pour certains, à prévoir. On peut être aussi sur une forme de réconciliation pour certains, en soi, avec soi. On voit ici la gestion émotionnelle. Et puis, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, pour certains, hein, il y a quand même des liens, qu'ils soient amicaux ou familiaux, qui seront rompus, hein, parce que clairement, on fait face à sa réalité cette semaine. Donc, je vais juste recouvrir là le 7 de coupe, justice divine, bim. Bon, alors, écoute, ceux qui t'ont mis dans le caca, là, il y a retour de karma. Et pour toi, justice divine, on te dit que ce que tu as souhaité vient à toi en temps et en heure, on te le rappelle. D'accord? Donc, c'est plutôt sympa. On va aller demander une petite complément d'information avec les dés ici. Au niveau du général. Avec la fontaine et la tortue, on voit ici qu'on va prendre le temps de comprendre notre émotionnel. On va vouloir en discuter. Et on te dit que c'est guidé ici avec la baguette magique, l'univers s'en mêle. Oui, on va tomber les masques, tomber ses propres masques ici. Parce qu'on aura pris de la hauteur, on aura conscientisé quelque chose là. Hein. Peut-être pour certains, vous avez conscientisé que vous vous êtes fait mal tout seul. Ben voilà, justice divine, on a la foudre. Donc pour certains, on a vraiment une période où on se prend des foudres karmiques ici.
mais c'est pour notre plus grand bien, pour remettre sur les rails, pour déclafter des situations ici. Hein. Et on va y voir plus clair. Donc, c'est pas mal du tout. Il y a comme un bilan ici qui se fait hein, sur un peu toutes les sphères de vie, j'ai l'impression. Alors, on va continuer avec l'art nouveau, le tarot, l'art nouveau, pour l'action de vie et le professionnel à 35 minutes 17. Alors, c'est parti, on y va. Sur ta sphère professionnelle et action de vie, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Justice divine, ici, pour ceux qui ont trop longtemps procrastiné, on va aussi te permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Et tu vas te rendre compte que tu as toutes les cartes en main ici pour créer ta vie, créer ce que tu as envie de créer au niveau professionnel ou mettre en place de nouvelles choses dans ta vie, dans ton quotidien. Alors, il y en a qui se sentent coincés, qui se disent qu'ils ne peuvent pas s'investir dans quoi que ce soit parce qu'ils sont en attente d'un rendu, d'un papier, de quelque chose de juridique. On te dit que c'est une idée limitante. Tu peux, ça t'empêche rien en fait. Hein. Tu peux totalement commencer ta vie. Ton nouveau parcours ici. Alors, évidemment que tu peux pas commencer dans une autre. Si tu attends le résultat d'un, comment on dit, d'un entretien, par exemple. Mais tu peux t'informer plus sur la société. Tu peux te perfectionner sur tes connaissances. En fait, tu peux faire plein de choses hein, au lieu de rester à t'angoisser chez toi. En gros, c'est un petit peu ça. Alors, à la coupe, on a le jugement et le 10 de denier. Donc, c'est juste impeccable. Ici, on te dit que justice divine, quoi. Ce qui t'est dû. D'accord? Donc, sur un plan pro, on voit une très belle amélioration. Belle rentrée d'argent pour certains. Si on est dans des procédures, là, eh bien, écoute, c'est bon. On voit avec derrière l'as de coupe. Oui, c'est quelque chose que tu vois pas arriver, tu t'angoisses encore un petit peu. On te dit qu'il y a ici quelque chose de merveilleux qui arrive à toi sur un plan professionnel et au niveau de l'action de vie, c'est pareil. Si tu t'angoisses, par exemple, pour la vente, l'achat d'une maison ou d'un patrimoine ou d'un héritage ici, on te dit que ce qui t'est dû et que tu vas l'avoir. D'accord? Donc, détends-toi la nouille, tout va bien se passer. Ne vous rongez pas avec vos peurs. Alors, petit exercice, quand tu as quelque chose qui te fait peur, une situation, une angoisse, écris-la sur une feuille. Tu exprimes, je ne sais pas moi, j'ai peur de ne pas être embauchée, j'angoisse, ça se trouve, je ne serai pas prise. Ça, tu l'écris, d'accord? Et en face, le fait de l'écrire, ça te sort de la tête déjà. Et en face, tu vas l'écrire positivement. Je sais que je suis prise. Je sais que je vais y arriver. Je suis capable. D'accord? L'univers pourvoit à mes besoins. Merci, merci. Transpose ça comme ça. Et tu verras que ça pourra t'aider. Après, bon. T'es pas obligé, hein. Mais voilà. C'est quelque chose qui permet de te détacher, de te libérer de tes peurs et de tes angoisses. Alors, on va aller faire le tirage sur l'action de vie et le pro. Pour cette semaine, que signifie-t-il? Qu'est-ce qui se passe sur l'action de vie et le pro? Tu vois tout? Allez, c'est parti, on y va. On a le 4 de coupe. Ouais, bon, on est déçu, on s'ennuie, on se focalise sur ce qui manque, alors que
Ici, l'univers t'amène une nouvelle coupe, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire. Ça peut être que tu reçois des communications en rêve. Ça peut être que tout simplement, quand tu discutes avec Pierre-Paul, Jacques, ou des gens qui vont justement t'informer ou de ce qu'ils ont ressenti, ou de « Ah, ça me parle beaucoup, moi, ça !» En ce moment, j'arrête. En ce moment, j'ai que ça. Merci d'ailleurs, les copines ou les copinettes, vous vous reconnaîtrez. Donc ici, on voit qu'il y a une nouvelle façon, une nouvelle idée qui va germer. D'accord? Pour un nouveau partenariat, une nouvelle façon de travailler ici, avec un 3 de denier. Et on retrouve, alors elles sont vachement efféminées, je ne sais jamais si c'est le roi ou la reine. Il me semble que c'est le roi, oui. C'est le roi de bâton ici, pour retrouver ici ton pouvoir, ta créativité ici, au niveau de ton professionnel. D'accord? Oui, nouvelle façon de voir les choses avec le pendu, on peut ruminer toute une situation qu'on croit bloquée. Et là, avec ce valet de coupe, on voit qu'on a des nouvelles propositions ici qui vont être fêtées, ça va nous faire grandement plaisir. Et avec ce roi de coupe, on est vraiment sur quelque chose, sur une proposition qui nous fait plaisir. Ça peut être le fait de se mettre à son compte, ça peut être le fait de trouver des partenariats de travail, comment on dit, une nouvelle façon de travailler. Un nouveau boulot aussi. Donc là, tu peux quitter un emploi où c'était un petit peu où tu te sentais pas reconnu, d'accord? Et là, on te fait une offre qui te fait grave plaisir. On t'annonce fin de semaine plus tôt que tu es pris, par exemple, pour un entretien, mais dans un poste qui te plaît et où est où 1, 2, 3, et où tu seras reconnu à ta juste valeur. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Là, on voit milieu de semaine que tu te poseras la question de savoir si ça va aboutir ou pas. Fin de semaine, on te dit que ça aboutit. C'est plutôt sympa. Si tu travailles pas ici, on voit que tu travailles sur toi, en fait. Justement, sur ce que tu penses qui te manque dans ta vie. Donc là, tu peux discuter avec une personne qui va te faire comprendre qu'il ne te manque rien, en fait, que c'est toi-même qui te concentres sur le négatif, alors que tu as en face de toi des personnes qui sont là pour toi. D'accord? Donc ici, on peut être aussi déçu d'un entourage où on croyait être soutenu, et on va se rendre compte que ce n'est pas le cas, que dès qu'ils ont l'occasion de nous mettre la tête sous l'eau, ils le font allègrement. Mais ça, tu vas comprendre que c'est ta façon d'agir et de penser qui fait qu'ils pensent qu'ils ont le droit de faire ça, puisque tu n'as jamais posé de limite, en fait. D'accord? Donc du coup, ici, tu vas juste les laisser dans leur caca et toi, tu vas agir différemment. D'accord? Donc on va les recouvrir un petit peu. Voilà, hein, on a l'as de bâton, on reprend les rênes de sa vie ici. Hein. Oui, on tranche avec le roi d'épée. On prend des décisions ici sur un entourage qui a pu nous maintenir beaucoup dans des illusions ou dans des addictions ici. Ah oui, on est grave déçu par un certain entourage, qu'il soit professionnel ou qu'il soit vraiment en termes d'entourage, quoi. Cette nouvelle offre te permet un nouveau départ, d'accord, avec le fou. Tu te fais confiance ici. Et là, on voit que c'est presque inattendu. Alors, soit tu t'y attendais plus tellement ça te fait, voilà, ça va changer littéralement ta vie, hein, ça va grandement te faire plaisir. C'est quelque chose de soudain qui arrive. Ça peut être une compréhension de vie pour d'autres, pour ceux qui ne travaillent pas. Pour d'autres ici, vous allez faire péter un entourage qui est un peu trop dans la légèreté et dans l'alcool et le surplus d'addictions diverses et variées, hein, d'accord? Et pour d'autres, là, la nouvelle que tu attends, que tu attends, que même que presque tu attendais plus, ben ça va te permettre de fêter cette nouvelle-là. Ah ben voilà, ouais, nous avons le monde de l'accomplissement. On va te reconnaître dans ton entièreté dans tous les cas. En tout cas, toi, tu vas commencer par te reconnaître dans ton entièreté et c'est extrêmement positif.
On va demander ici des précisions avec les dés. Nous avons les énergies lunaires, hein, donc on voit que ça aide aux compréhensions et au nettoyage, à l'épuration de ce qui n'est pas sain pour soi-même. Alors ça a pris du temps, mais là du coup on voit qu'il y a une évolution avec la flèche. Là. On est poussé aux fesses là. Oui, pour nous sortir de tout ce qui nous rend malade, de tout ce qui nous fatigue ici. Pour certains, on se découvre des dons de guérison. Donc ça peut être dans plein de domaines. Hein. Voilà, donc là on apprend l'intelligence émotionnelle, on apprend à s'exprimer, on apprend à parler de ses émotions et à aller vers ce qui nous anime, vers ce qui nous fait envie. Il y a beaucoup d'émotionnel ici. On peut être aussi sur un événement festif, sur un événement cette semaine. Alors par exemple, tu peux te rendre à un événement. Un regroupement, ça peut être le pot de départ de quelqu'un, ça peut être, je sais pas, un anniversaire, qu'importe, une crémaillère, quelque chose comme ça. Et le fait de discuter avec certaines personnes ici t'amène une proposition, une nouvelle offre, d'accord? Beaucoup plus saine, beaucoup plus ancrée dans les valeurs qui t'animent. Ah oui, ça va ranimer le feu sacré en toi, hein, ça va te faire grandement plaisir. Pour d'autres ici, on a un retour de karma qui va vous pousser il peut y avoir l'apprentissage de la gestion de la colère ici. Voilà. Donc, bon, c'est positif. Hein. Quand tu es en colère, ne réponds pas sur l'instant à la personne en face de toi. Ça sert à rien, c'est toujours très en connaissance de cause, je te le dis, c'est jamais une bonne solution. Va dans un champ, va gueuler un bon coup, exprime, parce qu'il faut la vivre quand même, hein. Donc tu l'accueilles, tu la laisses s'évacuer, d'accord, tu cries, tu tapes dans un, va faire du sport, va faire un truc comme ça, défoule-toi, et laisse retomber l'émotion. Une fois que l'émotion est retombée, tu pourras mieux comprendre ta réaction, ce qui t'a déçu, le fait de comprendre que c'est toi-même qui a été créatrice ou créateur de cette situation-là. Tu te l'es amené parce qu'il y a eu quelque chose où tu ne t'es pas affirmé. Et tu prends en faisant ça, tu prends ta part de responsabilité et maintenant tu vas être capable d'affirmer ce que tu ne veux plus dans ta vie. D'accord? En dos de deck, nous avons le valet de Pentacle où on voit ici qu'on est dans l'apprentissage de son nouveau soi pour être dans l'épanouissement de soi-même avec le 9 de denier. Il y aura beaucoup de communication et de déplacement ici par rapport à ce jugement, à cet appel divin ici pour ce renouveau. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On demande encore un petit peu de persévérance pour certains qui sont déjà... sur cette lancée-là. Ça arrive. Alors, on va continuer avec le relationnel et le sentimental. On est à 48 minutes 09. Avec le Leitzir Sparrow. Donc, on va aller voir. Oula! On a le cavalier de bâton, le roi de coupe, le cavalier de pentacle et le 7 de coupe. Bon, ici, on a envie, la reine d'épée, en dos de deck. Donc, moi, j'ai une énergie de quelqu'un de fougueux, de plein de passion ici. Quelqu'un peut-être qui peut être en colère, ou contre lui, ou contre une situation... émotionnel. On voit ici avec le roi de coupe qu'on apprend à gérer et sa passion et sa colère, d'accord, son émotionnel on apprend à le gérer, il faut un petit peu de temps et j'ai une énergie plutôt masculine ici qui prend le temps justement de canaliser son émotionnel pour savoir concrètement ce qu'il veut dans sa vie, d'accord. J'ai peut-être quelqu'un qui statte pour un retour parce qu'en face on a une reine d'épée, on a une femme qui a déjà un vécu émotionnel et j'ai peut-être quelqu'un qui a peur de se manger un refoul.
Pourtant, ici, j'ai la reine de coupe derrière. Donc, c'est quelqu'un qui est capable. Ah, ok. J'ai une femme ici divorcée ou séparée. Enfin, quelqu'un qui a une expérience de vie, qui est capable de donner énormément. Quelqu'un qui est dans la guérison. Mais qui s'est tranchée aussi. Elle sait très bien maîtriser son émotionnel et elle sait très bien prendre des décisions pour son propre épanouissement ici. Donc, si on arrive la bouche en cœur, ici. S'il y a des conflits ou des tensions qui ne vont pas dans le sens de madame, c'est sûr que vaut mieux que tu prennes le temps de réfléchir avant d'y aller, quoi. On a ça. Donc, c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme à énergie masculine, tu vois comment ça parle. Et ça peut être pour une relation amoureuse, mais ça peut être quelqu'un de ta famille, hein, aussi. Ou des amis, ou qu'importe, d'accord? On a la force ici qui vient de sauter. On te dit que tu as tout à fait la force d'affronter tes peurs, d'accord? Tu as cette force en toi, tu es capable. On te dit que tu es capable. Alors, on a la roue de fortune qui a voulu sauter avec l'as de coupe. Donc pour certains, on a un nouvel amour qui arrive, pour d'autres, c'est l'apprentissage de l'amour de soi, de respect de soi, la reconnexion à soi, à son identité. C'est bon, on y va? À la coupe, le page de bâton et l'empereur. Donc ici, j'ai l'énergie masculine dans toute sa splendeur, avec tout son ego, sans vouloir vous vexer. Avec ce page de bâton. Donc là, on peut avoir un père de famille ici, qui est dans une énergie un petit peu adolescent, d'accord? Tout feu, tout flamme. Un peu enfant gâté, un peu dans le caprice. J'ai quelqu'un qui apprend ici. À voir ce qui est essentiel, à se détacher d'une forme de matérialité, d'apparence, de matériel, pour comprendre où sont les vraies valeurs. On a le jugement ici, la libération. D'accord? Donc, j'ai un roi de bâton, donc cette énergie-là, qui se fait passer pour quelqu'un de très ancré et de solide. Et de qui assure, quoi, tu vois. J'ai confiance en moi, en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui a énormément souffert dans le passé, qui cache de très très grosses blessures, qui, je pense, est en train de les conscientiser et de les guérir. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, n'a pas voulu soigner ses blessures, les guérir, aller les voir. C'est quelque chose qu'on a enfoui sous le tapis, d'accord? Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Donc, c'est quelqu'un qui a pu être comme ça. Donc, ça peut être ton père, ça peut être ton mec, ça peut être, pour les couples sacrés, ben, ça peut être ton jumeau, ta flamme. C'est quelqu'un qui est en train de capter, là, qu'il est un peu merdégé, et il vit ici ses blessures profondes. Il les revit, il les prend en pleine poire. Pourquoi? Parce qu'il les a pas regardés avant et que toi, il te voit dans ton accomplissement, l'impératrice. Toi, tu es dans ton accomplissement et lui, ça le met dans le mal. Et ça le force à travailler sur lui, à comprendre un petit peu. On a ça hein, pour les liens sacrés, n'importe quel type de lien. Alors, on a la réussite hein, qui arrive, on a une forme de réussite, de compréhension. J'ai fait la coupe, il me semble, oui. Alors, on va faire le tirage pour cette semaine sur le relationnel et le sentimental. Qu'est-ce qui s'arrive? Je vais pousser ça. Alors, le relationnel et le sentimental pour cette semaine. Le choix avec les amoureux. Il y a quelqu'un qui se positionne pour un nouveau départ ici, avec l'as de pentacle qui est aussi
c'est quoi ces liaisons là? Qui est aussi une protection. Ça peut être symbole aussi de nouveaux lieux de vie, hein. Nous avons la reine de bâton, les peurs en plein centre, le 6 d'épée, le 8 de pentacle et le cavalier de bâton. Bon, alors, si tu es en couple et que tout va bien dans ton couple et que vous coulez l'amour parfait, on voit ici qu'il y a un choix à faire important pour l'achat, la vente, la location, enfin bon, pour un nouveau départ ici. Peut-être tu cherches un nouveau lieu de vie, peut-être tu cherches quelque chose à acheter, à louer. Bon, on voit ici qu'on fait le choix d'aller dans ce nouveau départ avec la reine de bâton. Donc j'ai plutôt l'énergie féminine ici qui est super confiante, d'accord? Et qui fait face à ses peurs et qui sait les regarder en face, d'accord? On voit ici avec le 6 d'épée qu'on va se détourner hein, de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui réactive des choses en nous qui nous déplaisent. On y travaille dessus. Alors pour une énergie féminine ici, j'ai plutôt une guérisseuse de l'âme. Alors ça peut être un coach, quelqu'un qui travaille dans le développement personnel, dans le soin, dans la guérison, dans plein de choses comme ça, d'accord? Donc, qui je peux être sur quelqu'un qu'on écoute, qui est admiré aussi, quelqu'un qu'on a envie de suivre, d'accord? Donc, du coup, si dans ton couple, là, j'ai ton monsieur qui se chie dessus, mais qui te suit parce qu'il a confiance en toi. Et du coup, on voit que le nouveau départ se fera. Alors là, j'ai des couples aussi qui peuvent prévoir ou de travailler. Alors, on travaille à l'organisation d'une fête ici, de quelque chose. Ça peut être un mariage, ça peut être l'organisation d'une réunion en famille ou quelque chose comme ça. Le fait de mettre en valeur aussi le professionnel, soit d'une femme, soit de l'homme, mais de mettre en commun quelque chose. Le fait de travailler ensemble aussi. Voilà, donc ça c'est pour les couples où ça va très bien. Ceux qui sont en triangulaire ici. J'ai une féminine qui se choisit. Elle n'attend pas elle n'attend pas. Donc, bah, si le gars, t'es indécis, tu sais pas ce que tu veux. Moi, je sais ce que je veux. J'avance vers la réalisation de mes rêves, de mon professionnel. Je m'épanouis. Je fais face à mes peurs ici. Je tourne le dos à ce qui ne me convient pas. Je travaille sur mon épanouissement personnel et je vis ma meilleure life. Voilà. Donc là, j'ai un masculin qui peut se retrouver sur le carreau s'il ne bouge pas les fesses rapidement. Parce que j'ai quelqu'un qui n'attend personne, qui n'a besoin de personne pour son développement. D'accord? Et ça, c'est très bien. Ça, c'est le fait de conscientiser que dans le couple, on est trois. C'est-à-dire que pas dans une triangulaire. Le couple, c'est moi, mon autre. Donc j'ai mon individualité, ma liberté au sein de mon couple, pareil pour l'autre, et on sait se trouver un temps pour le nous. D'accord? Donc c'est monsieur, madame et le nous. Ça, c'est un couple équilibré. Voilà. S'il n'y a pas ça, le couple n'est pas équilibré et ça peut se péter la gueule. Donc ça, j'ai quelqu'un qui conscientise ça, c'est beaucoup une énergie féminine, et elle sait que son masculin, ça doit être la cerise sur le gâteau, mais qu'il n'est pas le gâteau. C'est quelqu'un d'indépendant qui n'a besoin de personne, d'accord? Pour subvenir à ses besoins, pour subvenir à quoi que ce soit. Voilà. C'est en fait le fait de comprendre que si tu n'apportes pas du best mieux dans ma vie, et que tu m'apportes que des peurs et des angoisses, ben reste chez toi en fait. D'accord? Parce que j'ai pas besoin de ça, moi. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu beaucoup ça même. Donc ça c'est pour les célibataires également qui peuvent comprendre ça, qui sont dans l'épanouissement, qui font le choix de s'épanouir dans leur
professionnels, dans une formation, dans quelque chose où ils vont être dans l'épanouissement d'eux-mêmes. On voit qu'on a un petit peu peur là de se vautrer, parce qu'on peut être sur l'attente d'une mutation ou de devoir déménager, de devoir s'éloigner, mais pourtant, c'est ce qui va arriver et c'est ce qui sera le mieux pour vous. Donc voilà, et c'est ce qui va attirer à vous des nouvelles rencontres ici, hein. Alors, on a le 9 de bâton, le 3 de pentacle, le 5 de coupe. Bon, c'est confirmation de ce que je viens de vous dire. Le 9 de coupe. Le chariot, c'est magnifique, hein. Le 9 de pentacle, impeccable, une bête, très belle évolution là. Et le pape. Waouh! Alors, bon, pour les couples où tout va bien, on peut stresser pour l'organisation d'un mariage, effectivement. Tu travailles à la réalisation de ton rêve, donc c'est juste parfait. Pour les triangulaires, là, j'ai quelqu'un qui va baisser la muraille de Chine et qui va comprendre ici qu'il vous a fortement déçu et qu'il s'est fait manger par ses propres peurs. Donc, j'ai quelqu'un qui revient au triple galop, là, parce qu'il vous voit vous épanouir et tranquillement se barrer. Donc j'ai quelqu'un qui revient parce qu'il y a quelque chose de puissant entre vous. C'est quelqu'un qui a pu vous faire beaucoup de peine, quelqu'un qui s'en veut, qui regrette énormément et qui revient ici pour un engagement, d'accord? Pour vous proposer un mieux dans la relation, un véritable engagement. Par exemple, si tu étais dans une relation par relation. Genre amitié plus plus, ça se transforme là. D'accord? On officialise, on verbalise quelque chose ici. Donc c'est plutôt sympa. Pour les autres, vous aurez le choix de voir venir votre amant qui était peut-être engagé, qui ne vous a pas choisi ou qui étaient en forme, ceux qui sont en triangulaire. Après la triangulaire, c'est pas forcément que le mec était engagé, hein, c'est qu'il était peut-être soumis à une famille, à un entourage, à une situation, à une croyance, donc quelqu'un qui batifolait un peu, bon, bref. X ou Y raison, dans tous les cas, là, j'ai quelqu'un qui revient, t'as le choix ou pas, hein, de le prendre ou pas dans ta vie, hein, tout simplement, mais on te dit que c'est ce que tu voulais. C'est la réalisation de ton rêve. Et cette personne-là, vraiment, va s'arracher les doigts des fesses parce qu'elle fait vraiment face à sa plus grande peur pour venir vers toi. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment peur de se manger un refoulement. C'est quelqu'un qui a pu vraiment te décevoir. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément de regrets ici. Et qui sait qui t'a blessé. Donc, c'est quelqu'un qui s'attend pas spécifiquement à être écouté. Entendu. Là, on te conseille d'être à l'écoute. Après, tu feras ce que tu veux. Voilà. Là, les célibataires, on a le fait d'avoir. Vous croyez plus à l'amour, hein, clairement. J'ai des célibataires, ça fait tellement longtemps que vous êtes célibataire, vous vous dites, c'est bon, c'est pas pour moi. Je me concentre sur mon pro, là, je mets en place mes projets pro, je m'épanouis dans ce que je veux faire. De toute façon, je prévois un déménagement, je prévois une nouvelle avancée, je prévois. Et ben, tu peux le rencontrer sur ton lieu de travail, sur ton nouveau lieu. En tout cas, il y a une rencontre aussi. Et tu t'y attends pas pour le coup. Nous avons des discussions ici. Alors, sur le monde, ça va des discussions via les téléphones, via le net. Donc, on a le travail, le fait de travailler, de prendre des rendez-vous. Alors, ça, c'est pour les couples, hein, qui organisent quelque chose. Pour d'autres, c'est parce que vous êtes vraiment focus sur votre pro, ça ressort ici, et on va parler de ça. Pour d'autres, là, vous travaillez sur votre émotionnel, donc vous pouvez travailler à distance sur votre épanouissement aussi personnel, peut-être avec un coach ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, sur ce qui vous rend malade, sur ce qui vous fatigue.
Ici, on cherche des solutions aussi pour quelqu'un de la famille aussi, hypothétiquement. Voilà, on a une forte attraction avec quelqu'un, avec un boulot ici. Bon, il y a bon, tous les métiers du soin et du bien-être concernant l'environnemental, concernant les soins énergétiques, concernant la planète pour l'élévation. J'entends l'élévation. Là, vous allez être placé sur vos missions de vie respectives, en fait, pour ce pourquoi vous êtes fait. Il y a de ça aussi. On ouvre les yeux, hein, sur nos peurs, nos angoisses et sur ce qui nous fatigue. Et on ouvre les yeux pour certains sur ce qu'on souhaite. Là, pour certains, vous avez tapé dans l'œil à quelqu'un violemment. Hein. Quelqu'un qui a eu peur et qui a dit non, non, c'est pas vrai. Ou qui a mis un refoul. C'est quelqu'un qui a peur aussi de se prendre un refoul. Ça ressort ici. Mais on voit qu'il y a communication. Donc, mais on voit qu'il y a une compréhension aussi, hein, sur l'état émotionnel. Donc c'est plutôt sympa. Toutes les réponses ne arriveront pas cette semaine, mais beaucoup arriveront fin de semaine. Ah là, pour le relationnel et le sentimental, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on va aller voir le petit oracle des révélations ici pour tout ce qui est voilà, projet, relation, X ou Y. Il y a tout marqué dessus. Si ça te parle, c'est pour toi. Si ça ne te parle pas, c'est pas pour toi. Voilà. Donc, il n'y a pas à choisir là. Tu écoutes seulement le message. Si ça te parle, c'est bien. Si ça ne te parle pas, c'est bien aussi. Alors, il y a Mimi qui ronfle. Alors, en dos de deck, nous avons les célibataires avec le chiffre 4 et le mois d'avril. On te dit, tu ne feras pas de rencontre pour le moment, période calme où un autre domaine prend le dessus. Bon, confirmation de ce que l'on a vu dans le tirage. Pour ceux qui sont en projet X ou Y, là, vous avez le chiffre 5 avec leur miroir 0505. On te dit que ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Des corrections ou des modifications seront à prévoir. Ceux qui sont en projet toujours avec le chiffre 11 et leur miroir 11h11, on te dit ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Tu as le choix d'y aller ou pas. Ceux qui sont en couple, vous avez le chiffre 12 et vous avez un grand oui. Oui, cette personne est la bonne bénédiction de tes guides. Voilà. Alors, voilà. Et on continue avec le financier à 1h07 minutes 53. Alors, le petit zoom sur le financier avec le Béline. Que nous dit le financier pour cette semaine à la coupe? L'union et la carte bleue. Donc écoute, franchement, il y a des bonnes associations ici, des bons partenariats qui font t'es protégé. D'accord? Donc ça va le faire. Donc ici, au niveau du financier, on est bien tintin. Hein. Allez, on y va. Go en pyramide, s'il te plaît, pour cette semaine. Ah non, pas en pyramide, ok. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la petite dernière, et 7. En deux decks, on a la beauté, on a la réussite, la famille, l'étoile de la femme, la grâce divine, la trahison, la campagne santé et les pourparlers. Donc ici, on voit que j'ai une énergie féminine qui réussit dans son projet,
professionnel au sein de sa famille, on a cette énergie de guérison, d'accord? On voit ici que ça ne plaît pas ta réussite à beaucoup de monde. On a essayé de te la mettre à l'envers, on a essayé de te discréditer. Ça t'a énormément fatigué. On voit que tu vas avoir gain de cause si tu es en procédure X ou Y, d'accord? Ici, j'ai le retour de l'arroseur arrosé. Voilà. On va juste recouvrir ici la trahison. Tu es protégé, hein, de toute façon. Ouais. Si on a des trahisons sur un plan professionnel, tu as gain de cause. Et sur les pourparlers, on a le trafic. Ouais, clairement, on a pu te cracher dessus. Si tu es dans une procédure prud'homme, quelque chose comme ça, c'est OK pour toi, hein, aussi. On a la réussite dans tous les cas et je pense que tu pourrais avoir des nouvelles de ça dès le début de la semaine. Si tu attends un crédit ici, il te sera accordé. On peut demander un crédit là, ça peut être par rapport à quelque chose en extérieur. Une maison de campagne, le fait de déménager aussi, de changer de lieu de travail, on est vraiment sur retrouver une espèce de forme de paix intérieure. Pour d'autres, je vous le dis, il y a le fait de trouver des solutions financières par rapport à une maison de repos, ici. Ou quelqu'un s'occuper de quelqu'un de la famille qui a besoin de soins. Il y a des solutions qui sont trouvées au niveau du financier là-dessus. Je vais juste recouvrir la maison de campagne là aussi. Et ça sera plutôt fin de semaine ça par contre. Oui, on vous dit vous avez les clés de la destinée ici. Maîtrisez vos peurs, d'accord? Maîtrisez vos angoisses. On vous dit ici que de toute façon, toute personne qui a pu vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, ça ne fonctionne pas ici. Voilà. Ça va marcher. Un temps de repos est nécessaire pour certains. Ça peut être des prises de congé ou vraiment, foutez-vous la paix, ne serait-ce qu'au niveau du mental. Hein. Vraiment. On a l'étoile de l'homme, l'épée natte, en dos de deck, la maladie. Ouais, je peux avoir des gens en burn-out là. Donc, attention. Si tu t'écoutes pas, ton corps va te faire comprendre qu'il va falloir que tu t'arrêtes. Hein. Il y a de ça aussi. Hein. Donc là, il pourrait y avoir un ralentissement fin de semaine pour ceux qui seront en burn-out ou qui auront besoin tout simplement de prendre un temps de repos là pour se requinquer. Donc ça n'empêchera pas votre réussite. Hein. Ok, n'ayez pas peur. Donc c'est plutôt sympa là aussi au niveau du financier. Cool. Alors, les projets de cœur aussi sont soutenus par l'univers. Alors, je vais vous montrer les trois petits tas de fin. Mais d'abord, on va aller voir les dos de deck à 1h12 et 47 minutes, secondes de fin. Les dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour tout le monde? On a la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, les solutions émergent. Et on a la gratitude, d'accord? Donc même si tu vis un truc difficile ici, prends ta part de responsabilité et que la tienne et sois reconnaissant de la leçon ici que tu as apprise. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour parvenir à votre rencontre. On a l'effet miroir encore. Libby, j'ai éteint les bougies. Ici, nous avons un homme qui prend des foudres divines sur le coin de la bougie pour le rappeler à l'ordre. D'accord, on peut parler de quelqu'un qui a un coup de foudre et qui a eu grave pétoche. Ici, on lui dit qu'il est en train de s'éveiller, de reprendre son équilibre entre son masculin sacré et son féminin sacré et qu'il est sur une élévation spirituelle de compréhension de ses schémas familiaux. Donc c'est une énergie masculine, ça peut te parler à toi aussi, si tu es une femme, bien sûr. Ici, nous avons votre âme qui vous parle d'hygiène de vie. Tu dois changer ta manière de manger, de boire, de fumer ou de vivre. Passe à l'action, pas de laisser aller, à toi de jouer. On a l'ego hein, derrière. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont
qui sont encore un petit peu coincés dedans. Personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté. Écoute ton cœur avant tout. On vous dit là de faire gaffe à vos pensées pessimistes. Voilà, voilou. Ici, on nous dit, respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. On a le changement en dessous là. Et on a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On a l'intervention divine, encore une fois. T'inquiète, si tu veux pas bouger, on te fera bouger. Voilà, voilou, les copinous, les copinettes. Comme d'habitude, trois tas, t'en prends un, deux, trois, comme tu voules, voules. Je te montre les cartes. Laisse-toi inspirer par le message de la carte. Qu'est-ce que ça t'inspire? Voici la carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Et c'est parti, on va commencer avec le message de la carte numéro 1 à 1h15, 16, à 1h16. Alors, que te dit la carte? La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Que te dit ton âme ici? On te dit que tu es parfois ton propre adversaire, que ce que tu es en train de vivre, c'est un apprentissage ici. C'est un moyen pour toi de conscientiser les signes, les synchronicités et de gagner en maturité et en sagesse. Et que te dit ton âme? L'espoir. Attention aux pensées négatives là, vraiment. Là, vous pouvez conscientiser que ce sont vos peurs qui vous retiennent d'avancer. Tu dois garder espoir, cela va s'améliorer. Lâche prise et ne te décourage pas. Une solution arrive. Et la méditation. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Et les anges. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Et oui. Et on va continuer avec le message de la carte numéro 2 à 1h17, 36 secondes. Nous avons l'énergie du phénix et on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et là, on te dit, mais c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on te dit? Nous avons les papyrus, la lumière et le pardon. Tu conscientises ici ce pourquoi tu es fait, sur pourquoi tu t'es engagé, ce pourquoi tu as assigné en fait ta mission de vie sur Terre. Tu es guidé ici par ta lumière intérieure. Et tu accordes le pardon aux autres, à toi, ce qui va pouvoir justement t'amener ici ce que tu désires. Et oui, pourquoi? Parce que tu vis dans l'ici et maintenant. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Nous avons les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Et la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Waouh, super! Et on continue avec le message de la carte numéro 3 à 1h19 minutes 05. Alors, que te dit l'ouverture?
S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Que te dit ton âme ici? Eh ben oui, l'autoflagellation. Tu prends conscience ici que tu t'es sacrifié pour tout le monde et tout, d'accord, pour n'importe quoi, que à part te tailler aux quatre veines, c'est tout ce que ça t'a amené. Tu mets fin à ce cycle, d'accord? C'est la fin de ce cycle-là. Pour retrouver ici un lien, pour retrouver toi, ton âme, ton côté aussi émotionnel, tes ressentis, et pour ici te guider vers une paix intérieure. Et bien écoute, on est bien Tintin, parce que tu te pardonnes et que tu pardonnes aux autres. Le pardon, pardonner, c'est avant tout se libérer, pardonne-toi ou accepte un pardon, tu te sentiras soulagé. Je vous rappelle l'énergie du pardon, ce que cela signifie, ça veut dire repars avec ton don. La colère, la haine, tout ce que tu as mis de mauvais dans mon cœur, je te le rends. Repars avec ton don. Pardon. C'est ça le pardon et c'est pour ça que c'est libérateur. Donc voilà. Et voilà, ça va te ramener quoi? Ben l'harmonie. Hein. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et là, nous avons le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Tu es guidé. Ok, donc lâche. Et voilà, voilà les copinous. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie beaucoup pour les likes, les partages, le soutien à la chaîne. Merci beaucoup. Et je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve bientôt pour une petite vidéo surprise. À bientôt les copinous, les copinettes. Je vous souhaite une excellente semaine.